Bonjour, bienvenue à notre célébration de l'Eucharistie en ce mercredi de la cinquième semaine du carême. La messe ce matin est offerte pour le repos des âmes de Cécile Bellumeur et Yvonne Frappier. Un sincère bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous en ligne ce matin. Antienne d'ouverture. Tu me délivres de tous mes ennemis. Tu me fais triompher de l'agresseur. Seigneur, tu me soustrais à la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons au Seigneur son pardon et sa paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabucodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrach, Misaac, Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêt maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la corneuse et de tous les autres instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Sidrach, Misaac et Abednego dire au roi Nabucodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigé. Alors, Nabucodonosor fut rempli de fureur contre Sidrach, Misaac et Abednego, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna au plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrach, Misaac et Abednego et de la jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabucodonosor les entendit chanter, stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers,
Nous avons bien jeté trois hommes ligotés au milieu du feu. Ils répondirent, assurément, ô roi. Il reprit, eh bien moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le quatrième ressemble à un être divin. Et Nabucodonosor s'écria, béni soit le Dieu de Sidrac, Misaac et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Parole du Seigneur. Quand la réponse du cantique ensemble. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, toi louange et gloire éternellement. L'acclamation à l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. » Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer. Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites des œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. » C'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette semaine, que nous appelons la semaine de la Passion, avant la semaine sainte, alors que les images dans nos églises sont couvertes, on fait un jeûne de nos cinq sens un petit peu pour nous concentrer avec la présence de Dieu qui va se révéler et de démontrer à nouveau dans la mort et la résurrection de Jésus. Et cette semaine, c'est presque comme une série d'histoires de comment Dieu sauve nous, les hommes et les femmes sur la terre. Que même dans des temps de grand danger, comme les trois jeunes hommes dans la fournaise ardente, Dieu vient nous sauver. Parfois à la dernière minute, parfois au début de la vie, parfois à mi-chemin. Mais lorsque Dieu trouve juste un petit peu d'ouverture dans notre cœur, il répand sa grâce et si nous acceptons ce don-là de la vie éternelle, il nous l'accorde certainement. Cette semaine, nous avons entendu des histoires de Suzanne qui était libérée de ses persécuteurs, de ses accusateurs. On entend aujourd'hui l'histoire du prophète Daniel, des trois jeunes hommes. Et tout ceci se retrouve dans une belle litanie, dans le recueil de prières que les prêtres prient avec les personnes mourantes. Après qu'on leur donne l'onction des malades, parfois, si on est capable, on prie avec eux. Et puis, il y a un très beau recueil de prières pour les personnes malade et mourante à ce temps. Et j'aimerais la prier juste pour voir comment cette litanie ici, ça nous parle des histoires que nous entendons surtout cette semaine et tout au long du carême. C'est un rappel que Dieu sauve. Parfois, on oublie ce fait-là, que Dieu est avec nous toujours. Alors, la réponse à la litanie, c'est « Délivre-nous, Seigneur ». Alors, ça, c'est une litanie qu'on prie souvent avec les personnes mourantes pour leur donner un rappel que Dieu les sauve, que la mort n'a jamais le dernier mot. Et c'est ici pour nous aider à affronter la mort de Jésus le Vendredi Saint, sachant que Dieu va même sauver son propre Fils, qui s'est identifié au péché pour nous, pour afin nous donner la vie éternelle. Alors, cette litanie, cette répétition de chaque fois que Dieu sauve dans la Bible est pour donner confiance à chacun et chacune de nous, chaque moment de notre vie, mais surtout dans nos dernières heures dans cette vie terrestre. Alors, la réponse est « Délivre-nous, Seigneur ». Comme tu as délivré Noé du déluge, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré Abraham du pays des Chaldéens, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré Job des maux qui l'accablaient, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré Moïse des mains du Pharaon, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré Daniel de la fosse aux lions, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré les trois jeunes gens du feu de la fournaise ardente, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré Suzanne d'une fausse accusation, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré David des mains de Goliath et de Saül, délivre-nous, Seigneur. Comme tu as délivré Saint-Pierre et Saint-Paul de leur prison, délivre-nous, Seigneur. C'est beau, n'est-ce pas? Belle prière de litanie. C'est juste pour donner un rappel, parce que nous, comme le peuple juif dans l'Évangile, on peut oublier, c'est facile, d'oublier les merveilles du Seigneur. Parce qu'ils disent ici, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire que vous deviendrez libres? Est-ce vrai? Ils étaient esclaves pour des décennies en Égypte, n'est-ce pas, avec Moïse. Alors, on peut oublier que nous sommes esclaves parfois du péché, que nous avons besoin d'être libérés et pardonnés. Et cette grande grâce de la Semaine Sainte et de Jésus sur la croix est offerte pour nous.
l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante maintenant pour le bien-être et le salut du monde. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que Dieu les assiste de son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés paroissiales qui sont en train de former une famille de paroisses de Saint-Jérôme, Sainte-Anne, Bon Pasteur et Saint-Simon et Saint-Jude, afin que la charité règne entre nous, hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute et exauce les prières que nous t'apportons aujourd'hui, ton peuple assemblé. Comme tu as écouté les prières des trois jeunes hommes de la fournaise ardente, donne-nous toujours la confiance que tu viens nous sauver au travers de chaque et tout obstacle de notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde et la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jérôme, Saint Anne, Saint Simon et Saint Jude, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Ronald Pierre, Joseph son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De la communion. Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés.
Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je te rappelle, aujourd'hui, nous avons des heures de confession dans toutes de nos trois des quatre églises. Alors, ce matin, de 9h30 à 10h30, je suis disponible ici à la paroisse Saint-Jérôme, ainsi que cet après-midi, entre 14h30 et 16h30, le Père Phil sera disponible. Entre-temps, les heures sont à l'église Sainte-Anne et aussi à l'église Bon Pasteur. Alors, on fait la rotation. Alors, il y a des temps de confession tout au long de la journée aujourd'hui jusqu'à 8 heures ce soir. Passez une très belle journée tout le monde. Merci.